Eh bien, salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais tellement envie de faire depuis des mois les gars. On est tout simplement sur la mise à jour de LSPDFR, donc LSPDFR 0.4. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien louper, qu'est-ce qui vient de cartonner là? Du coup les gars, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien louper car ça va arriver très rapidement, plein d'épisodes, ça va être monstrueux. C'est lui qui vient d'avoir un accident là? Ah ouais, effectivement, c'est bien lui. Ok, bon, du coup les gars, abonnez-vous pour ne rien louper, il y a des vidéos qui vont arriver sur la LSPDFR 0.4 assez rapidement, ça va être assez monstrueux. Et du coup, nous, on est directement parti pour notre première patrouille. Hop, du coup, j'ai un petit véhicule, eh bien, celui que vous voyez là, une petite Ford C-Max, si je me souviens bien. Non, Ford Focus, ok, bon, c'est pas un problème. Du coup, petite Ford Focus, on est parti pour une petite patrouille. Donc le nouveau mode, je suis désolé de ne pas vous avoir sorti de vidéo plus tôt avec ce mode, mais c'est parce qu'il y a tout qui change en fait, et du coup fallait que je réapprenne à l'utiliser, parce que flemme de me retrouver en vidéo baisé à ne pas savoir quoi faire. Du coup là c'est bon, je suis totalement OP, je sais utiliser le mode et on verra bien comment ça va se passer. Du coup, stolen truck, ok, bah on a déjà un premier départ. Donc vous avez vu le départ, comment il s'est signifié. Ça a mis la carte en grand, puis ça nous a montré directement la zone de l'intervention. Du coup c'est parti, on part pour un camion volé. Et vous allez voir que les poursuites sont tellement stylées les gars. Quand on arrive et quand on prend la poursuite, c'est une grosse dinguerie, vous allez kiffer je pense. Ok, du coup. Oula, 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 oula. Ouais, j'ai peut-être le handling de mon véhicule à revoir hein, à l'occasion, faudrait que je m'en occupe. Hop, il est parti où? Il est parti là-haut. Ouais, si je me trompe pas, c'est bien ça. Ensuite à gauche. Ok, très bien, on devrait arriver sur la poursuite, un camion. Ok, c'est bon, j'ai visuel sur le véhicule. Hop. Waouh, waouh, waouh. Ok, nickel. Allez, du coup, le camion, il est là-bas. C'est bon, j'ai visuel sur le véhicule. Ok, nickel. Donc vous allez voir, quand on va s'en approcher, la poursuite va prendre une autre tournure. Je peux demander des moyens, je peux demander une force létale, ne pas demander de... Putain! Oh! Ne pas demander de force létale. Les gens, ils conduisent n'importe comment. Faudrait que LSPDFR 0.4, ils travaillent là-dessus, hein, sur ça. Du coup, regardez. Ok, c'est bon, je me présente sur la poursuite. Hop, on va tout de suite ouvrir le menu. Donc c'est comme ça, en poursuite. Hop. Donc regardez, ici, moi je veux pas de force létale. Je veux tactique. Ok. Ok, agence. Je veux Los Santos Police Department. Ok, nickel. Et là je veux demander une patrouille en renfort. Donc c'est génial. Donc là, il n'y a pas de force létale. C'est-à-dire qu'on ne va pas abattre la personne. Ok. Là-bas, on a un duster de police qui se positionne. Attention, les gars. Ouais, ils ont failli le cartonner. Ok, du coup. En France, comment ça se passerait, la poursuite? Ça se passerait que... on suivrait le véhicule. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va suivre le véhicule jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ok. Là, on va arriver secteur gendarmerie nationale. Du coup, je vais demander une patrouille de gendarmerie pour nous appuyer. Donc, regardez. Hop, San Andreas, non, Los Santos Fire Department, LS. Shérif Département. Ok, je demande une patrouille. J'ai une patrouille Shérif Département qui va nous rejoindre, donc gendarmerie. Ok, du coup, là-bas, on a une patrouille gendarmerie qui nous attend, c'est génial. Hop, là, attention, les gars, allez-y, allez-y. Coopération gendarmerie, sapeur, gendarmerie police nationale, c'est rare, mais ça arrive, la preuve, c'est en cours. Ok. Grosse dinguerie cette poursuite. On va demander un hélicoptère aussi, tout de suite. Ok, local. Air unit support, on aura un hélicoptère de gendarmerie qui va se greffer à la poursuite, tout simplement. Arrêtez-vous, ça sert à rien. Arrêtez-vous sur le bas-côté. Arrêtez-vous sur le bas-côté. Attention le véhicule. Oula. Oula, attention, faut pas qu'il me percute. Ok. Allez les gars, c'est chaud là. Désolé si je parle pas beaucoup, j'essaie de me concentrer sur la conduite parce que c'est super chaud la poursuite. Je trouve que les poursuites ont été revues avec le nouveau mode. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est une impression, mais c'est carrément mieux, je trouve, c'est plus stylé. Donc regardez, d'ailleurs on a un hélicoptère, normalement on a la gendarmerie nationale. L'hélico, il doit être juste là. Ok, l'hélico est là.
Ok. Du coup, on est trois véhicules, deux polices nationales, un gendarmerie nationale qui sont engagés sur la poursuite. Le véhicule, il va nous faire toute la map, là, avec, avec sa course-poursuite. Ok. On arrive au niveau de Sandy Shore. Du coup, attendez. Parce que là, je vais demander une nouvelle... Hop, le SWAT. Attendez. On va demander le SWAT d'engager sur la poursuite. Et on va peut-être passer à la force létale. Parce que là, ça commence à bien faire. Mais le truc, c'est que j'aimerais bien vous montrer comment ça se passe. Ok, attention. Ok, on a une équipe du GIGN qui vient d'être déployée. J'aimerais bien vous montrer comment ça se passe quand on interpelle quelqu'un, les menottes et tout. Et par contre, un petit bémol, c'est que les policiers que je demande en renfort ont la tenue de la police américaine. Du coup, je suis désolé. C'est en train d'être vu, ça, par du monde. Mais moi, je regarde de mon côté. C'est en train d'être vu, vous inquiétez pas. Un jour, on aura les tenues françaises, si c'est possible. Mais pour le moment, on est encore aux anciennes tenues du mode. Ok, du coup... Hop, je passe en létal, enfin je passe en automatique, ils font comme bon leur semble pour la force létale. Donc si jamais ils veulent interpeller monsieur, abattre monsieur, ils peuvent le faire. Parce que là c'est clairement devenu un danger pour la société. Ok. Arrêtez-vous monsieur, arrêtez-vous. Ok, bon les gars là c'est chaud là. On a toujours 4 véhicules d'engagés sur la poursuite, dont un du GIGN. Qu'est-ce qu'on va faire là? Comment est-ce que l'on va faire? Je réfléchis, comment est-ce qu'on peut stopper monsieur? Est-ce que dans mon menu, j'aurais pas d'autres trucs genre... Hop, je peux peut-être demander un... Hop. Regardez. Hop, boum, je demande une unité gendarmerie banalisée. Et normalement, on devrait avoir une unité de gendarmerie banalisée qui se présente. Ok, d'accord. Donc, on est sur un fourgon de CRS. C'est pas du tout ce que je voulais. Ok, attention, le véhicule va cartonner. Même pas. Punaise, il gère le con. Donc, c'était pas ça que je voulais. C'était ça, du coup. Response team. Hop là. Ok, du coup, là. La poursuite, les gars, elle va bientôt faire 10 minutes. Hein. Si je me trompe pas, ça va bientôt faire 10 minutes. Hein. Du coup, là-bas, on a encore un fourgon de CRS. Ok, attention, attention, il va... Oh là, il a failli me taper. Enfin, il m'a tapé, mais ça aurait pu finir beaucoup plus pire. Ok. Là, franchement, dès qu'il va s'arrêter, je pense qu'il est foutu. Ah ouais, mais ils conduisent... Oh, c'est bon, il cartonne. C'est bon, nickel. Le véhicule est à l'arrêt. Hop là. Allez, sortez du véhicule. Mettez les mains en évidence, sortez du véhicule. Couchez-vous immédiatement. Couchez-vous. Regardez sur la minimap, les gars, tous les flics qui se déploient à droite, à gauche, c'est une dinguerie. Ok, on me note. Regardez, parfait. Excellent. Excellent, j'adore. Du coup, monsieur, hop là, on le prend comme ça. Et on va le mettre dans notre véhicule, tout simplement. Hop là. Seulement, je suis en secteur gendarmerie nationale. Et j'aimerais bien que ce soit la GN qui l'emmène. Du coup, ce qui va se passer... Oula, ils ont le deux-tronc vachement fort, eux. Ce qui va se passer... Oula, les CRS, il faut qu'ils se calment. C'est que je vais tout simplement demander un transport. Hop, là. Hop, transport. Je ne peux pas demander de transport. Pourquoi je peux pas demander de transport? Ah, c'est dommage, ça. Hop, local transport unit. Ok, d'accord, faut que je le mette au sol. Allez, au sol tout de suite. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, au sol. Comment je fais pour le mettre au sol déjà? Au sol, monsieur. Attendez, les gars, je réfléchis. Comment est-ce que je fais déjà pour le mettre au sol? J'avais vu hier. Ah mince, ce serait dommage que je m'en souvienne pas. Ok, bon, allez, du coup, je vais le mettre dans mon véhicule. Hein. Hop. Allez, montez. Installez-vous. Parfait. Eh, installez-vous. Monsieur. Montez dans le véhicule. Qu'est-ce qu'il fait, là? Allez, monsieur, là. Vous montez dans le véhicule. Pourquoi il coopère pas? Allez, dans le véhicule, là. Tout de suite. Ok, nickel. Avec son véhicule, est-ce que je peux... Eh bien, le faire dépanner par un moyen ou un autre.
Non, je peux pas en fait, c'est ça, ouais, je peux pas. Ok, bon bah c'est pas un problème. Hop, là on va quitter la zone d'intervention, on va ramener monsieur au commissariat le plus proche, c'est parti. Du coup, on est sur... Ah ouais, on est carrément sur Grasse-Possède, les gars, on est parti de là-bas. On a fini tout là-bas, c'était une grosse dinguerie cette poursuite. Hop, là on va déposer monsieur, tout simplement. Let's go. Ok, du coup, on est en secteur gendarmerie nationale, hein. Vous l'aurez vu. Du coup, on va déposer monsieur à la gendarmerie la plus proche et on va, eh bien, se remettre disponible... Enfin non, on va pas se remettre disponible, on n'est pas du tout dans notre juridiction. Ok, et on va tout simplement retourner sur Los Santos après. Donc là, on va déjà amener monsieur dans un premier temps, 1 km 280, ça devrait être assez rapide. Et ensuite, retour Los Santos pour la suite de la patrouille. Et il y a déjà des plugins qui sont disponibles avec des nouveaux call-out. Après, je vous montrerai tous les call-out qu'on a disponibles. Parce que franchement, j'ai mis quoi? J'ai mis 3 plugins. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon jeu est beaucoup plus fluide, les gars. C'est parce que j'ai que LSPDFR et 3 plugins installés. J'ai rien d'autre. Donc le jeu est tellement fluide. Je suis à 60 FPS. C'est une grosse dinguerie, je kiffe. Du coup, bah c'est cool. Après, je vais pas en mettre de trop. Mais ce serait bien de retrouver le petit police radio. Parce que j'ai police radio ici, regardez. Hop, là, j'ai police radio ici. Mais je peux pas, par exemple, demander de dépanneuse et tout. Par contre, je peux choisir voilà les trucs, mais je peux pas demander de dépanneuse. Et ça, c'est assez chiant. Hop, du coup, on dépose monsieur tranquillement ici. C'est là. Parfait. Hop, là. Ok. Nickel. Allez, du coup, nous, les gars, on va faire une petite ellipse et on se retrouve sur Los Santos immédiatement. On se retrouve, les gars, on est de retour sur Los Santos pour la reprise de cette patrouille. On est au niveau du centre-ville de Los Santos International Airport. Du coup, Airport, avec l'accent anglais comme toujours. Mais oui, toujours l'accent anglais, les gars, toujours, il le faut. Hop là, Organized Street Race. Non, j'aimerais bien faire une intervention où... je vais vous montrer, regardez, on va se mettre sur le bas-côté, tout simplement ici. Hop là, bah oui, la signalisation, toujours la signalisation. Du coup, regardez, on a le petit onglet LSPDFR qui s'installe ici. Et là, vous avez tous les call-out de disponibles. Du coup, hop là, j'ai tout ça comme call-out, donc c'est pas mal. Moi, je kiffe bien. Hop, regardez. Il y en a beaucoup qui sont en double. Et après, là, c'est plus en double, regardez. Eh, franchement, c'est pas génial, ça. J'ai tous les call-out quasiment. J'en ai plein, c'est un truc de ouf. J'en ai Fighting Progress, ah ouais. J'avais pas vu que j'en avais autant par contre. Mais du coup, voilà, c'est assez sympa. Et si jamais je veux demander des call-out, c'est ici. Hop là, on va fermer ça. On fait radio et request call. Voilà, et là je peux demander ce que je veux. Hop, solicitation, stolen police vehicle. Et voilà. Oh, trafic accident, j'ai envie de voir ce que ça donne. Allez. Du coup, on part sur un accident de circulation. Peut-être que je peux mettre des cônes, je ne sais pas du tout. Allez, c'est parti. Du coup, hop là. C'est sur l'axe rapide. Du coup, il faut que je rentre sur l'axe rapide. Allez, je peux rentrer ici, là-bas, là ? Non, je peux pas. Si. Si, si, je dois pouvoir, du coup. Ok, allez, c'est parti, on va s'engager. Ok, ah bah si, 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 effectivement. Je peux. Allez, attention, attention. Du coup, trafic accident, je ne sais pas si marche le call-out. On verra bien, les gars. Hein, ça peut toujours être cool. Ah si, oui, d'accord, c'est bon, je vois, c'est par là, d'accord. Et là, je prends à droite, d'accord, nickel. Hop là. Ok, on va se présenter sur place. Alors, qu'est-ce que c'est? Oula, oui, effectivement. Je suis face à deux véhicules. Et pep, 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 monsieur, là. Allez. Venez là. Ok, d'accord. On a un suspect qui se barre en courant. J'ai un suspect qui part en courant. J'ai un suspect qui part en courant, les gars. Hop, je demande une autre patrouille, quand même, pour assurer. Ah, ça va, lui, il est pas trop con, enfin. Ok, nickel. Allez, relevez-vous, mettez-vous au sol, les mains en évidence. Relevez-vous les mains en évidence, voilà, couchez-vous tout doucement au sol. Tout doucement au sol, j'ai dit. Allez, allongez-vous. Allez, hop, pourquoi je peux pas... J'arrive pas à... Ok, nickel. Ok, on menote monsieur. Ok,
Midi 17, fin de la poursuite, suspect appréhendé, un killé, ok. Ok, donc vous voyez là, on a tout le menu, les gars, donc c'est plutôt sympathique. Hop, là, je vais mettre monsieur dans mon véhicule, puis je vais retourner au niveau de la poursuite. Allez, lâchez-le. Hop, dans mon véhicule. Allez, installez-vous, monsieur, montez dans le véhicule, là. Ok, parfait. Eh mais, oh, punaise, allez, montez. Voilà, eh, montez, monsieur, là, qu'est-ce qui vous prend? Voilà, installez-vous. Ok. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement remonter la rue pour rejoindre les véhicules accidentés. Du coup, je pense que c'est bon, j'ai sûrement mon responsable de l'accident. Ok. Ok, nickel. Je vais me mettre ici comme ça, j'ai mon suspect ici. Là-bas, est-ce que j'ai une personne blessée dans le véhicule? Ça va, monsieur? Vous avez besoin des secours ou pas? Ok, donc je vais quand même faire venir un moyen de secours, donc local EMS unit. Ok. Et les gars, je peux aussi, je ne sais pas si je voulais pas montrer, mais je peux très bien faire une palpation sur monsieur qui est menotté dans mon véhicule. Du coup, on va attendre l'ambulance qui devrait arriver. Et le véhicule, là, je ne peux pas les évacuer encore, c'est assez dommage ça. Faudrait créer le mode dépanneuse, hein, police smart radio. Pour tout ça, parce que c'est assez dommage là. Je trouve que le mode en soi, la nouvelle mise à jour est géniale, mais pas assez complète. Mais je pense que ça devrait arriver d'ici peu. Hop là, les SP sont là-bas. Je vais les laisser prendre en charge. Pour ma part, mon enquête est finie. J'ai trouvé les responsables. Hein. Je sais très bien qui a causé quoi. Hop là, nickel. Salut les gars, une personne dans le véhicule là qui n'est pas sortie, probablement en état de choc. Je vous laisse gérer, moi je repars déposer monsieur. Du coup, regardez maintenant, autre nouveauté, c'est qu'ici, hop, là je peux mettre des choix. Donc regardez, la prison, je peux mettre la police station, je peux mettre appartement, parce qu'on a un appartement. Je vous ferai découvrir ça aussi très rapidement. Donc hop, direction la prison, c'est parti. Allez, on y va, on se dirige vers le commissariat le plus proche pour déposer monsieur en cellule de garde à vue. Attention, on s'écarte. Et c'est génial. Et après, il y a des nouveautés que je n'ai sûrement pas encore vues, mais qui sont d'autant plus incroyables. Mais bon, pour l'instant, on a vu le plus gros. Je vous ai montré l'onglet. La prochaine fois, je vais vous montrer l'appartement, car c'est une grosse dinguerie, ça aussi. On a un appartement. De pas de fonction, j'allais dire appartement de fonction, mais non, c'est pas un appartement de fonction. J'ai un garage, je peux garer ma voiture, je peux faire tout un tas de trucs, et c'est assez ouf ce qu'ils ont fait. Après, je trouve qu'ils ont combiné des plugins qu'il y avait déjà avant, comme Stop the Ped, ils l'ont un peu combiné dedans, et ça c'est cool. Par contre, le créateur, j'espère qu'il a été mentionné quelque part, parce que c'est lui qui a décidé d'installer une palpation dans GTA V. Ils ont réutilisé son idée dans l'SPDFR 0.4, mais après c'est pour que ce soit plus complet dès le départ et que ça lag moins en ajoutant des plugins par-ci par-là. Hop là. Ok. Attention le camion, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, bah je me suis remis en code 4 pour l'accident, donc c'est génial. Allez, on va aller directement là-bas. Oh, j'ai une petite chute de FPS là. Ok, nickel, on va déposer monsieur tranquillement. Oh, pour il y a des véhicules de gendarmerie ici. C'est ici, ok, d'accord. Ok, donc les points ont changé, c'est ici maintenant. Et il y en a beaucoup moins. Et ça, je trouve que c'est cool parce que c'est vrai que dans la vraie vie, on n'amène pas forcément n'importe où les. Enfin, on n'amène pas forcément un peu partout les gens. Du coup, hop là, le véhicule il est clean, ça va à peu près. Hop là, nickel. Et aussi un autre truc, c'est que j'ai l'impression que je ne peux pas transporter de suspects dans tous les véhicules. Il n'y a que dans lui que ça marche pour l'instant. Et c'est vrai que c'est assez étrange ça. Pourquoi il n'y a que lui qui fait ça? Je sais pas du tout pourquoi. Et il y a beaucoup moins de call-out, je trouve qu'il lance beaucoup moins de call-out. Après, véhicule, qu'est-ce que ça fait? Ok, d'accord. Door. D'accord, donc là je peux ouvrir. D'accord, la radio. Et je peux même mettre la radio dans mon véhicule, d'accord, très bien. Ah, ça veut dire, attendez, je peux ouvrir. C'est génial. Ah mince. Ok, d'accord. Du coup, oh, je peux ouvrir les portières de mon véhicule.
Ok. C'est une grosse dinguerie, ça. Ok, bon. Du coup, hop, là, nous, on va... Je peux pas mettre en... Ok, bon. Du coup, nous, on va demander une nouvelle intervention, voir ce qu'on a. Hop, request call. Hot pursuit of a national off-roader. Ok, très bien, allez, on s'engage. D'accord, oula, oula, oula. D'accord, donc... Oula, oula. Ouf, c'était chaud. Attention, national off-roader, du coup on est sûrement sur un... D'accord, c'est bon, je crois savoir ce sera quoi le véhicule. Le véhicule devrait arriver en face de nous. Ce sera un véhicule de pompier, je pense. Ok, d'accord, c'est pas du tout un véhicule de pompier. Regardez ce que ça fait, la poursuite. Ça nous montre le véhicule en grand, là. Ok. Du coup, sur la poursuite, je veux qu'on utilise pas de force létale. Je veux qu'on se mette en tactique. Ok. Agency Los Santos Police Department. C'est parti. Ok, donc là, ça vient de désactiver le véhicule de shérif qui était engagé. Moi, je vais demander une autre patrouille. Il y a un hélicoptère du Los Santos Police Department. Ok, nickel. Du coup, là, j'ai des moyens qui vont être engagés. J'ai la gendarmerie que j'ai désengagée de la poursuite. Et on va prendre le reste. Et il y a beaucoup, beaucoup de poursuites, hein, je trouve. Hein. Oula, oula, ok. Ok, bon, ça risque d'être assez chaud sans force létale, par contre. Ah ouais, par contre, ça, il nous roule dessus, mais sans problème, lui. Bon, il va pas jouer avec nous 150 ans. Ok, allez, je vais sortir, je vais essayer de le choper comme ça. Oh, l'enfoiré. D'accord, il m'a bien baisé, là, par contre. Il nous a bien eu. Ok, du coup, je me réengage par là-bas. Sans force létale. Et après, la force létale, c'est tout le monde se met à lui tirer dessus. Et ça devient du gros bourrinage. Mais bon, on va essayer de ne pas abattre le suspect. Parce que voilà, on est quand même sur une simple. Pas forcément une simple, mais oula, juste une petite course poursuite quoi. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait avec son véhicule lui. Ok, bon, vous savez quoi, si je vais mettre la force létale. Ok, bra, ça passe en force létale. Tout le monde va les tirer dessus maintenant. Oula, attention les gars. Ok. L'hélico là, c'est un hélico de gendarmerie. Parce que c'est qu'un hélico de gendarmerie qu'on a de toute manière, nous. Et c'est eux qui prennent tout. Oula, oula. Regardez, ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer sous lui. C'est possible. Ok. Ah oui, d'accord, il m'a plié mon véhicule par contre. Je vais demander un SWAT unit. Hop, je demande deux patrouilles motorisées aussi. Allez. Là, on devrait avoir le SWAT, enfin le RAID ou le GIGN qui se présente, plus les patrouilles en moto. Donc nickel, les patrouilles en moto sont là. Oh punaise, les gars! Oh là là, le motard, je l'ai éclaté. Ok. Je vais pas mettre mon deux-ton, je vais redemander un motard parce que maintenant il est tout seul et c'est par deux les motards généralement. Il s'est pas mangé un poteau lui, non c'est bon. Ok. Eh c'est chaud, pourquoi il a un drapeau de la Turquie? Par contre c'est bien le drapeau de la Turquie ça. Oula oula, le collègue qui part en tonneau. Ok, faut vraiment que je revoie le... Punaise mais... Pourquoi ils passent tous devant moi, ils sont cons. Ok. Et ouais c'est bien le drapeau de la Turquie. Et faut vraiment que je revoie le handling du véhicule hein. Oula 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 oula. Ok, je fais feu dans, je vais faire feu dans les roues là. J'ai bien l'impression que les roues sont plus solides que ce qu'on pensait. Ok, on a un motard là-bas qui lui bloque la route. Oh, bien vu, le motard qui se sacrifie. Attention. Oh, punaise. Ok. Il y a pas mal de véhicules engagés, je vais plus en demander. Mon véhicule, il est totalement plié par contre. Par contre, moi, ce que je vais demander, c'est tout simplement... Un autre véhicule du SWAT. Parce que voilà, faut là à un moment faut stopper la poursuite hein.
Eh mais comment ça se fait que je peux pas lui crever les roues là? C'est quoi ce véhicule? Ok. On va abattre. Ok, c'est bon, le conducteur est abattu. Conducteur abattu, conducteur abattu. Je vais demander direct. Ok, là-bas, les gars, faut le topper. Lui, on le top. Ok, d'accord, c'est bon, ils sont en train d'abattre. Hop. Ok, c'est bon. Arrêtez-le. Ok. On a deux suspects abattus. Oh, si, regardez, là, c'est des collègues de la police ici. Oula, l'hélico. Oh, punaise. Oh là, c'est quoi ce massacre? Oh là, les gars, c'est un bordel. Du coup, est-ce que je peux demander un... Eh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe, là? Oh, ouais. Par contre, je peux pas bloquer la circulation. Ça, c'est assez dérangeant. C'est vrai que ça aurait été cool. Ça aurait été cool de... Ok, là-bas, j'ai un fourgon. J'ai les SP qui sont déclenchés. Eh, mais les gars, vous énervez pas. Il y a deux mecs qui sont au sol, là. Oui, d'accord. Ils sont vénères, les pompiers, je crois. Ok, du coup, hop, là. Regardez l'état de mon véhicule, sérieux. Regardez l'état du véhicule, quoi. C'est pas un véhicule de police, ça. Ok, nickel. Du coup, bah nous, les gars, on va quitter la zone, tout simplement, hein. Hop, là. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. C'était Drixys. On va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, les gars. Et ciao, bye bye.